Et hey, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Harvest Moon, l'art de la sérénité. Alors, ça fait un petit peu de temps que je n'ai pas tourné, un peu plus d'une semaine encore. Désolée. hop, c'est bientôt fini, hop, du coup. Qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? Alors dans cet épisode, on va sûrement aller acheter notre tenue, parce que la dernière fois, nous en avions parlé. Mais sinon, en choses un peu plus concrètes, il n'y a pas trop de trucs à faire. On va essayer de commencer à compléter nos recettes, avec les éléments facilement obtenables. Non, ça se dit pas. facilement... Enfin, qu'on peut trouver facilement. Voilà, quoi, vous m'avez compris. Hop, tac. Du coup, voilà, on va commencer par ça. Et puis voilà, on va se faire un petit épisode tranquille encore. On va essayer d'avancer encore dans notre ferme. Et puis voilà, tranquillement. On va aller voir Owen, comme à chaque fois. Ah oui, c'est vrai, dans l'épisode précédent, on avait acheté la... Mince. Où sont mes touches? Là, je me souviens même plus des touches. On avait acheté la machine à faire de la mayonnaise. C'est plutôt sympa. Hop. Du coup, voilà. Et s'il n'y a pas eu de vidéo mercredi dernier, comme à peu près... Enfin, normalement, il y a toujours une vidéo le mercredi. Enfin, souvent. Je dis pas tout le temps, mais... C'est parce que j'étais malade. Et oui, oui. Donc là, si vous m'entendez un petit peu parler du nez, c'est que je suis malade. C'est super agréable. En tout cas, moi, j'espère que vous n'êtes pas malade. Que vous êtes au top. Hop là. En même temps, avec le temps pourri qu'il a fait là, ces derniers temps, c'est plutôt chaud de rester sain. Hop, du coup. Oula, c'était une belle phrase. Hop. Non, je voulais donner à manger à Clucky, et puis en fait, ça a cliqué sur sortir. Voilà. Tac. Et du coup, ouais, dans le jeu, c'est un jour d'orage. Hop. Coïncidence, je ne pense pas. Ce qui fait à moitié orage, là, quand je suis en train de tourner. Hop, là. Du coup, ouais, il fait orage, alors du coup, on va pas avoir besoin d'arroser... nos plantes, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est sympa. Hop, forcément qu'il y ait un aspect positif hein, à la pluie. Tac. Faut surtout pas que j'appuie sur la cloche, sinon les animaux vont sortir et vont être malades. Ou vont pas être contents. Hop là. On enlève les mauvaises herbes pour pas qu'on se fasse envahir par elles. Hop, l'étable. Touk 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 touk. Alors, on va s'occuper de Milka. Hop. Alors. Milka qui est toujours pas adulte. Hein. Faut le préciser. Du coup, on ne peut toujours pas avoir du lait. De toute façon, je crois que je n'ai pas acheté de treilleuse. Donc, il va falloir remédier à ça aussi. Hop. Il y a Chippy. Chippy. Hop là. Du coup voilà, on va donner à manger tranquillement, c'est un petit début d'épisode plutôt tranquille, on apprécie. Hop, mais on va essayer de se bouger un petit peu quand même, hop là. Tac, tiens Milka, bon appétit. Hop, c'est bon, on a fini de s'occuper de tout le monde. On va remonter par notre petit passage. Hop. Mais d'abord, on va déposer les petites tomates de la ferme. Mmh. Hop là. Allez, c'est parti, mon kiki. Du coup, là, je pense qu'on va aller voir Owen. Puis voilà. On va descendre en ville. Et puis, on va remonter pour passer la journée assez rapidement. Si possible, pour pouvoir passer à une autre journée. Ici, il n'y a rien à ramasser. Dommage, je vais rien pouvoir offrir à Owen. Tiens, Owen, on va essayer de lui offrir une mayonnaise.
On va pas lui offrir la meilleure, par contre. On va lui offrir la passable. Celle qui est périmée depuis 3 semaines. Hop, tac. Chut, faut pas le dire. Hop, là. C'est par là. Est-ce qu'il est sorti? Je crois que les jours d'orage, les personnages restent chez eux. Ouais, c'est ça. Hop. J'adore la musique dans cette boutique. Bref, c'est bientôt la fin de l'été. Je voudrais que cette saison ne se termine jamais. Ouf. Ah si, j'aime bien l'été quand même. Hop. Oh, il aime bien. Il aime bien, mais c'est pas ce qu'il préfère. Ok. Ok, ok. Ah oui, je crois qu'on avait aussi réussi dans l'épisode précédent à monter de niveau avec la canne à pêche. Ça, c'est plutôt bien. Du coup, on va pouvoir aller pêcher. Hop là. Pêcher des poissons un petit peu plus conséquents, un peu meilleurs. On verra ça. Il faudrait aussi qu'on améliore la canne à pêche au niveau des minerais. Mais il nous manque un personnage qui n'est pas encore arrivé sur l'île pour pouvoir faire ces améliorations. Je sais pas si vous vous doutez de qui c'est. Je ne sais pas. Je vais pas vous le dire en tout cas, je vais garder le suspense. Mais sans elle, on peut pas améliorer. Il y a un autre moyen quand même, on peut aller... Ah, mince. Petite cinématique, je m'y attendais pas. Oh, tu es là, parfait. Il y a une brocante demain sur la place de la ville. Il m'a fait peur, j'ai fait qu'est-ce qui se passe? Une cinématique, j'ai cru que le jeu était en train de crasher en fait. C'est pour ça, j'ai eu peur. Oh, Hamilton, toujours là pour nous faire peur, nous stalker, venir devant chez nous, un truc comme ça. La brocante a lieu le dernier dimanche de chaque mois. Pourquoi tu n'y participerais pas? Tu pourrais peut-être... Tu gagneras peut-être un peu d'argent en vendant des choses dont tu ne te sers plus. Ah, on peut faire ça, nous? Je ne savais pas. Non. Ah ouais? Attendez, je suis en train de débarquer, là. On peut vendre nous-mêmes à la brocante? Ah bon? Je n'étais pas au courant. Ah bah écoutez, je sais pas, je l'ai jamais fait. Attendez, j'ai un gros doute là. Ok, bon. Bon, on essaiera de faire ça. Voilà, oui, donc les améliorations d'outils, on peut aussi les faire en les achetant à la boutique. Voilà. Sauf que ça coûte plutôt cher et... Bon, on peut. On pourrait en soi, mais bon. On a déjà prévu d'acheter des choses. D'ailleurs, c'est pas ici que je voulais aller en premier. Excusez-moi. Ah. Est-ce qu'on peut chourer une petite recette? Ah oh, oui. Tu as trouvé la recette de sandwich aux œufs. Tu la mets sur ton étagère. Waouh. Le sandwich aux œufs. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ah, oh, on peut aller en bas. Waouh. Un atelier. Trop cool. Bon, ça ne sert à rien. Je vous le dis direct, ça ne sert à rien de venir ici. Mais on n'avait pas visité chez eux. C'est cool. Du coup, on va aller chez le tailleur. C'est ce qui nous intéresse le plus pour le moment. Parce que je vous avais donné à choisir des tenues. Voilà, voilà. Et mon petit abonné y a répondu. Et m'a dit d'acheter l'urbain bleu. Enfin, la tenue bleue. Ce qu'on va faire... Ça, c'est fait. Et niveau chapeau, il voulait le chapeau de paille de Luffy. Donc on va acheter le chapeau de paille de Luffy. Hop là. Nickel Gisèle. Ok, c'est bon. Par contre, pour s'équiper des tenues, il faut rentrer chez nous et regarder dans notre commode. Donc voilà, on va faire ça après, vous inquiétez pas. Ça n'a pas disparu. Ok, du coup on va rentrer. Mais je savais pas qu'on pouvait participer à la brocante. C'est... ouais. C'est un aspect du jeu que j'avais totalement dû rater. Ce qui est étrange. Que... Ouais, c'est vachement étrange. Comment on se fait pour s'inscrire? Attendez, parce qu'il y a des messages qu'on n'a pas lus. Ouais, on a un tailleur. Un nouveau résident. Il y a une nouvelle... Oui, ça, on le sait.
Le bazar. Le bazar. La ferme Charlotte. La ferme Charlotte. La brocante. Le festival des animaux. Le festival de la mer. Le feu d'artifice. Ok. Et ah, il y aura le festival des Lucioles aussi à faire. Ça, ce sera intéressant. Hop là. Ah, excusez-moi, je dois faire une petite pause. Je reviens tout de suite. Et re tout le monde, excusez-moi, c'est reparti. Ah mince, le temps il est pas... Oh non. J'avais pas fait gaffe, mais le temps il passe en fait. Oui, je m'en vais, c'est bon. J'avais pas fait gaffe, je pensais que le temps il passait pas. Quand on était dans un bâtiment, eh bah si. C'est pas très grave, de toute façon on avait fini notre journée. Je venais juste vérifier à la mairie si on pouvait s'inscrire pour la brocante. Mais apparemment, je sais pas trop, apparemment on peut pas trop. Du coup on verra. Hop là, du coup on va rentrer chez nous. Tranquillement. Hop, juste, hop, je vais enlever mon gilet. Tac. Ok. Du coup, on va monter. On va rentrer chez nous. Les animaux sont nourris, c'est bon. On peut aller se coucher tranquillement. Et puis, on va aller à la brocante dans cet épisode. Ah, oui, il faut aussi qu'on essaye notre tenue. Maison. Hop là. Alors, le chapeau de paille. Oh là là, ce look. Et l'urbain bleu. C'est un certain look. Écoutez, voilà, bon. Bah écoutez, ouais, pourquoi pas. Hop là. Si, c'est bon. C'est juste peut-être le chapeau de paille qui est rouge par rapport à la tenue qui est bleue, mais... Sinon ça va, ouais. Au pire, on s'en fout. 410. Que 410 gold. Waouh. Let's go. Alors aujourd'hui, c'est la brocante. C'est la brocante. Ça fait 5 fois que je le répète, je le sais, mais j'adore les brocantes. Du coup, on va sortir nos animaux puisqu'il fait beau. Avant, il faut que je m'occupe quand même des petites poupoules. Hop, poulailler. Tac, on va ramasser les œufs. Ah, 2 œufs de poule passable. Voyons. Que se passe-t-il, mes poules? C'est pas de la très bonne qualité, tout ça. Parce que, je le rappelle, la qualité passable, c'est la pire de toutes les qualités de produits. Voilà. Donc, nos poules sont pas très contentes. Pourtant... Non, mais ça va venir avec le temps. Faut être patient. Hop là, du coup... On va mettre nos petits œufs dans la machine. Hop là, mon micro, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de t'avaler. Ok, c'est fait. Alors, on peut sortir. On va sortir tous les animaux. Ah oui, il faut qu'on arrose aussi. Parce qu'il pleut pas. Ah, c'est dommage. Tac, tout le monde dehors. Allez. Ok, est-ce qu'on peut ramasser? Ouais, on peut ramasser du maïs. Il y a 2-3 épis. Hop là. Ok, bon. Je pense qu'on a fait le tour. Hop, il y a juste une mauvaise herbe ici que je veux enlever sur le champ. Voilà. On va arroser. Ah oui, je me suis pas occupée de Milka et de Chippy. On va le faire. Et puis, direction la brocante! Hop là. Peut-être pouvoir acheter des choses. Puisque cette fois-ci, on a pas mal d'argent. On est presque à 8000. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est très très bien pour débuter. Hop là. Ah, je n'ai plus d'eau. Ok, d'accord. Tac.
Ah là là. On pourrait aussi faire améliorer notre arrosoir. Améliorer notre arrosoir, ça serait pas forcément avoir plus de charge. Ça nous ferait juste en fait gaspiller moins d'énergie. Donc voilà, pour le moment, c'est pas. Ok, donc Milka est allongée dans l'herbe. Hop. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Voilà. Tac. Chippy, à toi aussi. Voilà. Je vais la caresser. Et puis, on est parti. Allez. Pas le temps. On est parti. Je sais pas à quelle heure ça ouvre la brocante. Je crois que c'est 8. Oh, Toby! Je crois que c'est à 8 h. Je suis pas sûre, mais je crois. On verra. Au pire, c'est pas très grave si on n'est pas là pile à l'heure. Hein. Il va rien se passer de ouf. Hop là. Ah oui, aussi, j'avais un truc à vous parler concernant l'autre let's play sur la chaîne qui s'agit. Oula. Non, ça c'était pas français. Il s'agit de Spyro. Je pense le suspendre. Voilà, le mettre en pause pour une certaine durée indéterminée, comme on dit. Parce que voilà. J'ai plus l'envie de le faire. Je finirai, hein, mais pas maintenant. Pour le moment, j'ai plus trop l'envie d'y toucher. Et puis aussi. Je sais pas, enfin, c'est pas un let's play très important. Il fait genre 10 vues par épisode. Donc bon, je me dis que ça va pas trop gêner beaucoup de personnes. Et du coup, ben, je me suis dit, ben, pourquoi pas le mettre en pause. Puisque de toute façon, il y a peu de personnes qui le regardent. Voilà, faut être honnête. Voilà. Il y a genre 10 vues par épisode comparé à Harvest Moon. Et encore 10 vues en genre 2 semaines. Alors qu'à Harvest Moon, en 2 semaines, je fais 50 vues. Bon, voilà, c'est pas énorme, mais il y a quand même une grande différence entre les deux. Du coup, je pense le mettre en pause. Voilà, je voulais demander les avis de ceux, si jamais il y en a parmi vous qui le regardent, bah, de me donner votre avis. Si vous voulez que, bah, si vous êtes d'accord, si vous voulez bien que je le stoppe pendant un certain temps. Et comme ça, on pourra commencer un autre let's play plus sympathique. Enfin, plus sympathique. Spyro est très bien, mais c'est juste que je suis un peu lassé. Et du coup, voilà, commencer un autre let's play, j'en ai déjà un en tête. Et je pense qu'il pourrait vous plaire à vous qui regardez Harvest Moon aussi. Enfin bref, patate douce grillée. Ça, je crois que j'en aurais besoin, mais je crois que j'en ai déjà acheté une. Pire, c'est pas grave. Hop, on va regarder. On va regarder tout ça. On va regarder nos recettes. Ah non, c'est dans l'autre sens. Hop là, voilà. Alors les recettes. Champignons vénéneux, poisson chêne, on peut pas cloche verte, on peut. Otronèse. Ok, donc on va acheter de l'otronèse. Balaou, merveille bulle, épinard, banane. Ok. Aubergine grillée. Ah, c'est aubergine grillée, c'est pas patate. C'était ici? Ah oui, c'était ici, patate douce. Donc on en a plus besoin. Omelette. Ok, d'accord. Du coup, ici, on va juste lui acheter de l'otronèse qu'on va mettre de côté pour notre petit arbre. Hop, notre arc-en-ciel futur. Ce sera toujours ça de prix. Ok. 480 l'otronèse, c'est quand même pas donné. Hop là. C'est une chose, c'est. Voilà. Bon, voilà. Il nous parle un petit peu avant de faire les achats. Ah, sympa. Racine de pontata, herbe rouge, fil de laine. Omelette, j'en ai besoin, merci. Perle de verre, non. La pomme, je crois qu'on en avait déjà une. Ouais, on n'en a pas besoin. Ok, ça c'est bon. Ah, pousse-toi. Hop là. Ah, on a trois vendeurs cette fois-ci. Je crois qu'on en avait moins la dernière fois. Alors. Voilà, aujourd'hui, voilà, on va prendre notre temps. Ah, regarde,
regardez, il y a des tenues. Il y a des tenues. Il y a des tenues. Ah, sympa. Cosmos. Serre pour le parfum et le miel. Belle de neige. Il me semble que dans un arbre, on aura besoin d'une belle de neige. Je m'en souviens plus, mais je crois. Bon, c'est pas grave. Dans le dernier, je crois, arc-en-ciel. Ouais, bon, c'est pas grave. On aura le temps d'en faire pousser. Ah, il y a une tunique bleue. Bah écoutez, j'ai envie de l'acheter. 4005. Waouh! Oula! J'avais pas vu le prix. Waouh! Ceci est un achat. Waouh! Comment on dit? Compulsif. Ouais, ça doit être ça. On dirait que je l'ai vu, je l'ai acheté. Sans même regarder le prix. Bah dis donc. C'est pas grave. Bah écoutez, cette petite brocante était plutôt sympathique. Ah, il y a Luc. Hop là. On va aller pêcher un petit coup du côté du mini... de la mare. Je sais pas trop comment on l'appelle. Le lac érable, voilà, à côté du lac érable. Même si ça ressemble pas trop à un lac. Mais bon, c'est un détail. Faut pas le dire. Hop, alors du coup... Et je sais toujours pas comment on fait pour vendre des objets à la brocante. Hein. De toute façon, on n'a rien à vendre pour le moment, donc ça ne sert à rien, mais... Ça me paraît un peu bizarre, cette affaire. Hop là. Du coup, il y a tous les achats hop, dans le sac. Et du coup, je peux charger. Hey. Trop la classe. Ah, un poisson. Vite. Ah, une écrevisse. Ah oui, c'est vrai qu'on attrape beaucoup d'écrevisses dans ce lac. Tac. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a des poissons? Des vrais poissons. Avec des nageoires et des écailles, s'il vous plaît. Hop. Allez. Ah. Ah, une anguille, presque. Des nageoires, hop. Cocu, une anguille, c'est un poisson, je pense. Ah, une anguille, bah oui, si, une anguille, c'est un poisson. Ah, j'en sais rien du tout. Bah, une perche, en tout cas, c'est un poisson. Mais l'anguille, si, ça doit être un petit groupe un peu à part, je pense, des poissons, mais ça doit en faire partie quand même. Bon bref, ça vit dans l'eau dans tous les cas, donc... Gros débat, je me prends la tête pour une anguille, hop, tac. Et une carpe. Waouh, ça fait zizir. Ah, elle est fatiguée. Oula, oui, il fallait que je vérifie un truc aussi. Ouais, non, ça presse pas. Si, on va vérifier. Je voulais juste voir où est-ce qu'on en était. Niveau animaux. Niveau comme nourriture, voilà, c'est ça. 24 et 19, bon ça va. Ok, bon bah le reste ça avance tout doucement. Ok, très bien. Du coup on va remonter. On va essayer de voir Owen, même si je pense pas qu'il soit là. Parce que les jours fériés, les personnages ont tendance à bouger un petit peu. Bah voilà, il y a le médecin ici alors qu'il a rien à faire ici. Donc voilà. Je pense pas qu'on va voir Owen. Au pire, c'est pas très très grave qu'on le voit pas pendant un jour. Voilà. Bon, il n'est pas là. De toute façon, je peux pas rentrer dans les bâtiments les jours fériés. Il ne travaille pas. Hop. Oula, c'était quoi ce bruit que j'ai fait? Je ne sais pas. Ok. On va mettre des choses à vendre. Non, ça je garde, ça je vends. Oula, ils sont pas beaux, passables. Ah oui, d'accord. Ok, bah ça me paraît plutôt pas mal. Hop, on va ramasser ça. L'herbe verte. Ça nous fait un petit peu d'argent d'avoir vendu tout ça. Ok. Du coup, on va rentrer à la maison. Je pense qu'on va pas tarder à se laisser. Et oui. Et du coup voilà. Surtout donnez-moi, si vous regardez le let's play sur Spyro, votre avis si vous êtes d'accord pour que j'arrête.
Parce que voilà, c'est un let's play qui est vachement long à faire pour moi, enfin à préparer, beaucoup plus qu'un épisode de Harvest Moon qui est beaucoup plus simple. Même à faire le montage, il y a quasiment rien à faire, c'est super facile. Mais Spyro, c'est un peu plus compliqué que ça. En plus, c'est un plus vieux jeu, alors il y a pas mal de paramètres qui rentrent en compte. Du coup, voilà. Puis je me lasse un petit peu en fait. Ce qui m'était pas encore trop arrivé. J'avais fait à peu près la même chose pour les Sims sur GBA que j'avais commencé, que je n'avais pas fini. Pour la simple et bonne raison que y avait aussi pas beaucoup de vues et que ça plaisait pas à un grand nombre de personnes. Hop, du coup on va essayer la tunique bleue. Ah, c'est pas mal la tunique bleue. Bon, y a pas beaucoup de différence, mais. Oh si, je préfère la tunique bleue. Je la trouve sympa. Ça fait un look un peu plus aventurier. Ok, du coup on va se coucher. Bonne nuit! Donc voilà. Et puis à la place, j'ai une autre idée de let's play qui pourrait plaire un peu à tout le monde, je pense. Que c'est un let's play, ça sera un let's play un peu déjanté avec voilà, un jeu un peu déjanté aussi. Et ça pourrait être sympathique. Donc voilà. Hop là, du coup. Voilà. On va se laisser ici. Voilà, c'était un petit épisode, voilà, plutôt sympathique. Au prochain épisode, on essaiera d'avancer un petit peu plus vite encore. De toute façon, il y aura le festival des Lucioles le 24, donc on fera ça sûrement dans le prochain épisode. Et ça pourrait être super sympa à faire. Surtout qu'il y aura sûrement Owen. Du coup, voilà. On verra ça dans le prochain épisode. Voilà, pas mal de petites choses. Et puis voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter les j'aime, à mettre un petit commentaire sympathique et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Enfin bref, vous connaissez déjà le fonctionnement depuis longtemps. Enfin bref, profitez bien, amusez-vous bien, révisez bien aussi si vous êtes en examen comme moi. Bon, moi je révise un peu moins en ce moment, mais bon. Enfin bref, amusez-vous, c'est tout ce qui compte. Voilà, bye bye.